En fait, vous laissez le temps d'arriver. Ben oui. Et je me présente, excusez. C'est ça. Hein? TDAH, il y a des graines de poussière qui m'énervent. C'est... Le timing est parfait, tu sais, j'aurais pas pu les voir 5 minutes avant. Donc, je me présente, si c'est votre première fois ici. Mon nom est Zarina Boily, je suis coach TDAH, révélatrice de génie et créatrice de transformation. J'accompagne principalement des femmes qui vivent avec le déficit d'attention à découvrir à quel point c'est une force extraordinaire. Et j'avais envie de pousser mon expulsion de ma zone de confort un peu plus loin aujourd'hui en vous présentant une séance de kinésiologie holistique live. En fait, bon, je suis certifiée coach, mais je suis aussi certifiée en kinésiologie holistique. Donc, j'ai suivi une formation pour ça. J'ai appris à tester et j'ai 2 outils de travail. Mes doigts avec lesquels je teste et mon cartable qui me permet en fait d'aller trouver les informations qu'on a besoin pour clarifier le thème sur lequel on va travailler. Et la belle Julie a accepté de me faire faire ce plongeon-là parce que sans elle, ça pourrait pas se passer. Donc, merci beaucoup, Julie, de pouvoir me permettre de montrer un petit peu c'est quoi la kinésiologie holistique. On peut l'utiliser comment? De plusieurs façons. Ça peut être utilisé pour dégager ou libérer des blocages émotionnels. Ça peut être aussi pour venir défaire des croyances. Ça peut être aussi quand on a des événements répétitifs dans notre vie puis qu'on se dit « Voyons, tabarouette, ça m'arrive tout le temps, ça. » Mais il y a une raison pour laquelle ça arrive. Avec la kiné, on est capable d'aller trouver qu'est-ce qui fait que ça se répète et faire le nettoyage nécessaire pour éviter que ça continue de se répéter. Ça peut être aussi pour les peurs. Écoutez, il y a vraiment un nombre illimité de choses qu'on peut explorer en kiné. C'est ça. La kinésiologie holistique, pour moi, c'est vraiment... une façon d'explorer l'être humain complexe que nous pouvons être. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais juste regarder ici, voir si tout fonctionne. Et après, on va partir dans cette belle aventure. Oui! OK, donc ça fonctionne. Super! Donc, je reviens à toi, ma belle Julie. Alors, et là, j'y vais comme si j'étais one-on-one et je vais vraiment, on va créer notre bulle et c'est comme si on était toutes les deux. Donc, on va commencer par se centrer parce que c'est une étape très importante. Alors, toi, je sais que tu as l'habitude de le faire. Excellent. On se désinverse. Donc, point karaté, même si je suis inversée. Même si je suis inversée. Je choisis de m'aimer totalement et profondément. Je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je suis inversée. Même si je suis inversée. Je choisis de m'aimer. Je choisis de m'aimer. Totalement et profondément. Totalement et profondément. Même si je suis inversée. Même si je suis inversée. Je choisis de m'aimer. Je choisis de m'aimer. Totalement et profondément. Totalement et profondément. Donc, moi, après, en tant que thérapeute, j'ai 2-3 étapes à faire, dont l'intention du point zéro. Et je le fais toujours pour moi et pour la personne qui est en soin avec moi.
Je fais page blanche parce que des fois, l'ego va tenter de s'immiscer, de se frayer un chemin pour venir mettre son grain de sel. Donc, ma belle Julie, est-ce que tu as eu le temps de penser à la thématique que tu voulais qu'on aborde aujourd'hui, le thème ou l'objectif de cette séance de kiné-là? C'est bien que oui. Depuis que je n'ai fait que penser à ça. Je me suis fait une liste, puis tantôt, là, j'étais comme, OK, là, qu'est-ce qui serait le plus important ou le plus pertinent aujourd'hui? Ben, en fait, je peux tester. Oui, on peut tester ensemble. Oui, bonne idée. Si tu me dis combien d'éléments tu as sur ta liste, moi, je vais y aller par numéro, parce qu'en fait, quand je teste, c'est comme ça que je fais. OK, bon, ben, c'est vraiment intéressant. Je vais les numéroter. J'en ai 9 éléments sur ma liste. OK, parfait. Donc, l'élément sur la liste de Julie qui est le plus pertinent à aborder ce soir, c'est 0 à 5, 6, le 8e. OK. C'était général, le 8e. OK. Ben, c'est correct. C'était par rapport à la peur. OK. C'était les peurs, là, justement, les peurs du moment. Là, on est en plein dans la thématique. Hein? Toutes les peurs, peurs de perdre, d'abandonner, mais tout le stress. C'est tout le stress aussi relié à la peur. C'est comme ce sentiment de perdre le contrôle. C'est bon. Mais tu vois, ça veut dire que ça va probablement être pertinent pour d'autres personnes aussi, on ne sait pas. Donc, on va y aller avec ça, les peurs. Donc, peur, tu m'as dit peur de l'abandon, peur de perdre. Peur de perdre, oui. Et ce serait quoi ton objectif en lien avec cette thématique-là? Ben, d'être plus dans la confiance puis la paix. OK. T'sais? Ça serait comme vivre vraiment le contraire. Parce que, tu sais, c'est sûr que cette peur-là, ben la peur apporte un stress. Le stress que là, tu sais, je peux tenter de contrôler avec différentes techniques, tu sais, différents outils, méditation, relaxation, marche en forêt, chant. Mais tu sais, c'est comme si, de ces temps-ci, je captais vraiment comme encore plus cette peur-là. On le sait là, qu'il y a comme une vague de peur immense sur la planète. Puis là, tu sais, même je trouve que ça vient affecter ma santé physique. Là, tu sais, je me sens beaucoup plus fatiguée. Ma fille me dessinait tantôt. Elle dit « Maman, je vais dessiner tes cernes. » Je dis « Ah, merci! » Wow! Hein? Tu sais, c'est ça un enfant. C'est sans détour, on tourne pas autour du pot. C'est ça. OK. Donc, si tu étais pour le formuler, ton objectif, est-ce que tu veux, parce qu'on peut aller dans différentes directions, on peut explorer, on peut aller dégager, qu'est-ce qui fait que ça, c'est là, ou une partie, c'est sûr qu'on on parle toujours en termes de pelure d'oignon, fait qu'on peut pas, tu sais, d'un seul coup tout faire, mais il y en a une bonne partie qui peut être faite, donc libérer, dégager, fait que ça, une fois que ça va être formulé, là, on va vraiment pouvoir commencer. Ben, mon objectif, ce serait vraiment de me sentir être capable d'être plus dans la foi, dans la confiance, puis tu sais, voir le côté positif. Tu sais, voir le verre plein et pas me laisser aspirer par cette frénésie négative. Ouais. Fait que je suis en train de l'écrire et je vais te le relire après pour que tu me dises si j'ai bien saisi le tout. OK. OK.
Donc, être capable d'être plus en confiance et dans la foi avec tout ce qui se passe en ce moment à l'échelle planétaire. Oui. OK. Oui. Donc, l'intention derrière tout ça, c'est d'aller libérer ce qui t'empêche d'être dans cet état-là. Oui. Okay? Fait que ça, je vais venir le rajouter parce que là, ça vient en fait vraiment compléter l'objectif, là, c'est clair, oui. C'est libérer ce qui t'empêche d'être dans la confiance et dans la foi avec tout ce qui se passe en moment avec, à l'échelle planétaire. Oui. Bon, OK. Fait que je viens écrire la précision. Et la raison, en fait, pour laquelle on écrit, c'est que, bon, oui, ça me permet naturellement, au fil du soin, de revenir puis de dire, OK, oui, en lien avec le point de départ, mais ça vient aussi ancrer l'intention dans le processus. OK. OK, donc libérer ce qui m'empêche d'être capable. En fait, libérer ce qui m'empêche d'être dans. OK, j'ai pas besoin du capable. C'est bon. Ouais, c'est ça, puis je le fais toujours pour que ce soit le plus clair possible, que l'intention soit toute là. Ouais. Donc, libérer ce qui m'empêche d'être dans la confiance et dans la foi avec tout ce qui se passe en ce moment à l'échelle planétaire. Parfait. Ouais. OK, good. C'est parti. Donc, là, je suis dans le processus, bien sûr, de tester et je vais pas, en fait, pour les besoins de la cause, je vais pas tout expliquer les étapes que je fais, mais quand vous voyez que je tourne la tête ou je vais essayer quand même de vous montrer mes doigts pour que ceux qui sont avec nous se demandent pas, voyons, pourquoi qu'elle parle plus. Donc, excellent. Là, on est dans la partie où on a besoin d'informations conscientes. Donc, des informations, des trucs qui sont montés dans les derniers jours ou des impressions de, tu sais, souvent on va dire une impression de déjà-vu. Tu sais, des fois, ça fait remonter des choses. Fait que depuis quand à peu près que tu te sens comme ça, là, avec moins d'énergie, que là, tu vois que ça a un impact sur ta santé physique? Ben c'est quand je m'en suis voulu, hein, quand je me suis fâchée contre moi-même parce que j'avais pas respecté mes limites, que j'avais pas su dire non au bon moment, que j'avais pas su faire les bons choix pour mettons la sécurité de ma famille. T'sais, je m'en suis voulu de mettons peut-être mettre ma famille en danger, là, puis là, ça a comme accumulé. Puis là, après ça, j'ai eu une discussion avec une bonne amie, là, au sujet de, tu sais, mon amitié qui était peut-être pas assez régulière ou fidèle. Fait que là, ça m'a comme encore racheté sur ma culpabilité de pas être assez, tu sais. Puis là, tu sais, ça se rajoutait à tout ça, là. Fait que ça a comme accumulé au fil du temps des culpabilités par rapport justement à mes plus grandes blessures, soit de décevoir les amis, décevoir les gens que j'aime et de même mettre en danger peut-être ma famille parce que j'ai de la difficulté à poser mes limites. OK. C'était comme ça, c'était les gros patterns là, qui sont ressortis dernièrement. Là. OK. Puis dans la situation qu'on vit actuellement? Ben, tu sais, je pense que c'est de la colère envers moi-même. Là. OK. C'est comme, je pense que c'est comme de la frustration envers moi-même de me dire comme, come on, là. Tu sais, c'est... Pourquoi t'es pas encore capable d'être? Et t'es encore dans le faire, puis dans le jugement, puis tu sais. Puis là, de me juger encore par rapport à mon incapacité d'être, tu sais, dans qu'est-ce que j'aimerais vraiment être. Fait que là, c'est comme des jugements par-dessus des jugements, là. OK. Il y a ça qui ressort. Physiquement,
Ouais. Est-ce que tout ça se manifeste physiquement dans ton corps par soit une sensation, peux-tu me décrire ce que ça fait? Ben, tu sais, vraiment une lourdeur, une fatigue, puis tu sais, des douleurs quasiment comme si j'étais en train de me programmer que j'étais malade. Tu sais, j'ai mal partout, j'ai mal à la gorge, mais tu sais, j'ai rien, là. Fait que là, tu sais, je me crée même des peurs que j'étais en train d'être malade, mais tu sais, je suis pas malade. C'est un peu hypochondriaque, là. Ben, la situation étant particulière, c'est sûr que... Ouais. Que... Dans ton quotidien... Ouais. C'est quoi le grand stress? Si c'était pour être résumé en « c'est ça ». Ben, dans mon quotidien, là, c'est quoi mon grand stress? Je vais te dire ça live, moi, là. C'est de me retrouver avec la gestion familiale et mon travail que là, je peux plus vraiment faire parce que il y a les enfants qui sont là, il y a, tu sais, les repas, le ménage, les crises, les exigences, les dégâts. C'est mon stress, il est monté exponentiel, là. OK. Donc, le stress actuellement, c'est vraiment tout ce que ça amène comme gestion ouais. supplémentaire qui n'est pas là quand il y a l'école. Quand il y a l'école. Je pourrais vous dire quand la vie est normale, mais je ne pense pas que ça, ce soit quand on verra. Ouais. OK. Donc, est-ce qu'on a besoin de d'autres informations conscientes? Non. Parfait. Est-ce qu'on a de la résistance? Non, ça c'est génial. OK. Donc, combien de données inconscientes on a besoin? 0, 1, 2. Excellent. Donc, on les trouve où ces données-là? Puis des fois, c'est ça que je n'ai pas mentionné au début, mais ça arrive que oui, j'ai le cartable comme outil qui me permet de trouver des informations, mais ça peut aussi être des livres de référence parce que des fois, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est une aventure. Je dis toujours, on part à l'aventure. Donc, je ne sais pas d'avance où on va aller. OK. Donc, première donnée, on s'en va dans le cartable, ma belle. Yay! Quelle section? 0 à 5, 6, 7, 8. OK. On est dans le transgénérationnel. Ben oui. le transgénérationnel, tu veux-tu l'expliquer un peu, c'est quoi? Ben, en fait, le transgénérationnel, moi, de ce que j'en comprends, c'est en fait le bagage qui nous a été... on peut dire le bagage qui nous a été légué de nos ancêtres, mais je pense aussi qu'il y a ce qu'on a pris dans ce bagage-là pour des raisons X, Y, Z. Fait que dans le fond, il y a des croyances, il y a des programmations qui vont faire leur chemin en descendant l'arbre généalogique. Et ce qu'on dit en kiné, c'est que c'est la quatrième génération au-dessus de nous qui programme le plus. Donc, nous, on est toujours la génération 1. Donc, on dit nous, nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Donc, la génération des arrière-grands-parents, c'est ce qu'on a appris dans la formation, que c'est celle qui programme le plus. Puis là, je vais juste te dire, ou je te le dis après, c'est qu'un petit stress qui est remonté, c'est que je sais que mon arrière-grand-antenne donne pneumonie. OK, mais écoute, puis je sais pas si j'ai testé, puis c'est pertinent. Oui. OK, donc, on va prendre cette information-là en note. Écoute, attends, je vais juste aller voir. Tu vois, c'est ça la donnée. J'ai pas besoin d'aller même fouiller
En disant ces mots-là, il y a quelque chose qui est remonté. OK, donc, arrière-grand-mère. C'est ton arrière-grand-mère de quel côté? Du côté de mon père, c'était la mère de mon grand-père. OK. Donc, l'arrière-grand-mère paternelle. Oui. Puis tu me disais qu'elle est décédée à 40 ans d'une pneumonie. Oui, début quarantaine. OK. C'était comme le drame de mon grand-père, justement, parce qu'il s'est senti abandonné puis il a pleuré toute sa vie. Là. OK. Fait que ça te dit quoi? Qu'est-ce qui monte quand tu repenses à cette grand-mère? Ben, que tu n'as pas connue, mais quand tu repenses à cette histoire-là? L'abandon. Puis beaucoup okay. d'injustice. Beaucoup d'injustice, là. Dans la façon qu'elle est décédée, tu peux-tu juste me préciser un petit peu parce que la précision est pertinente. Parce que, oui, c'est très pertinent. Puis là, regarde s'il y a des membres de la famille qui regardent, je sais pas, mais c'est que dans le fond, mon arrière-grand-père, il a abandonné sa famille. Quand sa femme est décédée, il a abandonné tous ses enfants. OK. Pour une autre femme. OK. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'ils ont trouvé ça vraiment dur. Et c'est pertinent à 10 sur 10. Good! Fait que c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose là, tu sais, ça a laissé son empreinte jusqu'à toi. Ouais. Ouais. OK. Au niveau de l'injustice, ouais. Parce que, puis oui, ouais, c'est ça, OK. Parce que dans le fond, c'est deux grandes blessures, l'abandon et l'injustice. Mm-hmm. Fait que puis c'est pertinent aussi qu'on ait un petit peu plus de détails. Mm-hmm. Au niveau de l'injustice, ben je pense que ça a donné une grande pauvreté. OK. Une obligation à être toujours dans le faire, dans le travail, travailler fort. Puis prendre des responsabilités jeunes. Et quel lien tu ferais avec ce que tu m'as dit au début? Que le lot de responsabilités m'amène à un stress supplémentaire. Mm-hmm. Et est-ce que ça se peut qu'à quelque part, tu trouves ça injuste d'avoir à gérer tout ça? Oui. Puis là, j'espère que mon chum n'écoute pas. Mais on en a parlé justement en fin de semaine. Puis tu sais, j'ai toujours trouvé très difficile gérer carrière, famille et le reste. Là, je trouve que c'est beaucoup. Puis j'admire les femmes qui le font puis que ça se passe bien. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça très lourd comme responsabilité. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais on voit très bien que ce que tu expérimentes présentement et ce qui s'est passé à la quatrième... Tu sais, il y a beaucoup de liens. Écoute, on pourrait faire énormément de liens juste avec ça. Mais pour le moment, on n'a pas besoin d'en faire plus. Puis c'est ça qui est le fun avec la kiné, c'est que quand on a fait les liens qu'on avait à faire dans le moment, dans l'instant, on continue. Parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose d'important. Puis on n'est pas obligé de faire tous les liens maintenant, puis c'est pour ça que je teste. Alors, on a-tu besoin de faire d'autres liens? Ça dit non. Puis ce qui est sorti là, on peut aller déjà chercher la deuxième donnée. Mais non, mais c'est ça. Puis dans le fond, les informations sortent si et seulement si tu es prête à les recevoir. Mm-hmm. Donc, si tu n'es pas prête, si... c'est la donnée ne sortira pas, tout simplement. Oui. Donc, c'est ce qui est quand même assez fascinant. On reste dans le cartable pour la deuxième donnée. OK, donc, on s'en va où? 0 à 5, 6. OK, on s'en va dans les outils. Est-ce que c'est... OK, les outils psychoanatomie. Parfait. On s'en va... J'ai 10 sections. C'est drôle, hein? Depuis tantôt, ce qui teste, c'est 8. Le huitième
élément sur ta liste. Oh my God! Puis c'est pertinent que je te dise ça, là. OK? Je le sais. Numérologie, avril, bon. C'est 8. OK. Là, je suis dans les outils. C'est la section 10, mais quand même, ce qui teste, c'est la section 8. OK. Fait qu'on est comme 3-8, là, depuis le début. OK. Et ce qui teste ici, c'est changement de regard. Ça te dit quoi? Qu'est-ce qui monte ou qu'est-ce qui vient? Ben. Quand je remets cette information-là, changement de regard. Ça me fait penser à tes lunettes, mettre une autre perspective sur la situation. Regarder les choses d'un nouvel angle. Changement de regard, pas le voir du côté de la victime, mais plus du côté de... C'est peut-être de tout ce que ça l'a permis de construire comme force et comme ces belles qualités qui ont été aussi transmises, pas juste comme la souffrance, mais aussi toutes les blessures qui ont réussi à être guéries à travers ça, peut-être. Mm-hmm. Oui, puis ce que je comprends, c'est que tu es en train de parler du changement de regard sur ce qui s'est passé avec ton arrière-grand-mère. Oui, c'est ça. Oui. Mm-hmm. Absolument. Mm-hmm. Absolument. Mais il y a un changement de regard, c'est certain, à faire sur le présent aussi. Mm-hmm. De voir comme, c'est ça, une bénédiction, du temps de qualité, mais en même temps, c'est comme si j'avais des choix à faire. T'sais, je peux pas faire les deux. T'sais, je peux pas faire je peux pas faire les trois, je peux pas faire les quatre. T'sais, c'est comme, il faut que je fasse un choix. Je vois pas l'autre option. T'sais. Fait que, t'sais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres que je vois pas, qui existent? Je sais pas. Et si l'absence d'obligation de choix, ça faisait partie des possibilités? Oui. Quoi d'autre est possible? Si l'absence de choix et d'obligation faisait partie des possibilités? Ah. Ouais. Hein? On ouvre une porte? On ouvre une porte, oui. Mais puis c'est ça, tu sais, dans le fond, tu sais, les croyances qu'on a, les programmations, c'est pas toujours évident de naviguer là-dedans. Puis dans une période comme celle qu'on vit présentement, ben là, c'est tout est multiplié, tout est amplifié, tout est chaotique. Fait que c'est comment retrouver justement le point d'équilibre. Mm-hmm. Dans tout ça, puis de dire, OK, mais mettons que je ne suis pas obligée de choisir. Mettons que choisir, ce n'est pas une obligation, que je peux tout faire, mais peut-être de façon différente ou pas tout en même temps. Tu sais, le changement de regard, c'est vraiment ça. Comme tu disais, c'est de mettre une paire de lunettes différentes sur oui, qu'est-ce qui s'est passé, mais sur la situation actuelle. Mm-hmm. Mm-hmm. Si moi, ce qui vient de monter, puis c'est pertinent, tu me diras ce que ça te dit. Oui. Et si ce qui est en train de se passer présentement était, et là, je fais référence à, tu disais tantôt que tu as toujours trouvé ça difficile de concilier le travail, la famille et la gestion de tout ça. Mm-hmm. Et si ce qui est en train de se passer présentement était pour que tu découvres que tu es capable et que tu es capable de le faire dans la légèreté. Ah! Je viens de tomber sur quelque chose qui parle. J'ai des petites pommettes qui viennent de pousser, là. Oui. Oui. Et si j'étais capable de le faire dans la légèreté? Mm-hmm. Sûr. Ouais. Good. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres liens à faire? Non. Prendre une petite gorgée d'eau.
me rafraîchir un peu. Ouais, fait chaud, hein? Des fois, oui. OK, maintenant qu'on a fait les liens qu'on avait à faire, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dégager. Donc, ça, c'est l'étape où il y a du ménage. Ben, il y a déjà du ménage qui est en train de se faire, ça, c'est sûr. Donc, est-ce qu'on a besoin de donner d'informations pour dégager? Non. Parfait. On s'en va dans le cartable? Oui. OK. Hey, j'ai hâte de voir où c'est. Hey, c'est vraiment bizarre. C'est sûr que c'est bizarre. Ben, on est à une place qui me surprend, mais ça, c'est ça. Quand je dis que c'est une aventure, je suis dans l'aventure jusqu'au bout. OK. Tout finit par avoir un sens, ça c'est sûr. OK. Est-ce que c'est ici? On est dans les dossiers. Donc, on est dans la section physique. Fait qu'il doit y avoir un lien. Ici, là. Ah, OK, je pense que ça commence à prendre forme. J'ai des petits pop-up qui... OK. J'ai-tu besoin de sortir des données ici? Non. Parfait. Donc, je m'en vais là, 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 là. OK. Donc, hey, ça, c'est drôle. Je pense qu'il n'est pas là-dedans. Je vais juste vérifier parce que ça me dit que je dois aller. On dégage avec le EFT, ma belle. Yeah. Mais c'est un protocole spécifique. Fait que, excuse-moi deux secondes, il faut que j'aille chercher mon livre. OK, c'est bon. Donc... C'est un complément que j'ai avec la section EFT qui est dans le cartable, qui est de Sophie Merle. Donc, OK, il faut juste, je trouve, c'est le tap-tap, je commande. OK, cool. Ouais, ça devrait être quand même intéressant. OK, donc, ça... C'est drôle que je fouille, il n'y a pas de table des matières. Fait que... Mais écoute, c'est drôle, j'ai ouvert le livre à une page. Je suis en train de me demander si c'est pas celle-là. Là. Donc, c'est le fun parce que ça me fait revisiter en fait un outil... que ça fait longtemps que je n'ai pas exploré. Fait que c'est vraiment chouette. J'aime ça, ça. Ouais, vraiment. OK, c'est bon. Mais écoute, j'ai vraiment ouvert le livre à cette page-là, puis c'est vraiment ça. Ben voyons donc. Ben oui, je te le dis. Je te le dis. Ben, je te crée. Tu sais, c'est ça. J'ai ouvert le livre à cette page-là. Le soleil. Fait que là, je vais aller tester lequel, parce qu'il y en a plusieurs. OK. OK, donc j'ai... Voyons, j'essaie juste de m'assurer. OK, c'est bon. Donc, un,
5. Ça va jusqu'où? Mon Dieu Seigneur, il y en a vraiment beaucoup. Ah, puis ça me permet de trouver quelque chose que je cherchais. Mon Dieu, c'est... Ah ben! Vraiment! Mais la semaine dernière, moi, j'ai trouvé quelque chose que ça faisait 2 ans que je cherchais dans ma maison. Hey, ben c'est ça, hein, des... C'est ça, ça! Quand on en a besoin, c'est là. OK, donc je teste parce qu'il y a quand même 61 protocoles différents. Oh. Alors, je vais d'abord tester, est-ce qu'il y en a plus qu'un? Non. OK. Donc, le protocole se trouve à quelle page? Dans la première moitié, dans la deuxième. Alors, je m'en viens ici. 30 à 40, 40 à 50. Et les chiffres que je teste, c'est les numéros de page. 40 à 45, 46, 47, 48. Un 4 puis un 8. Ben oui. Hein? OK. Je teste. Qu'est-ce qu'on a de besoin dans cette page-ci? OK. Donc, ici, d'après moi, il y a une information que j'ai besoin de te lire là-dedans parce que ce n'est pas du EFT en tant que tel. OK. Mais on va voir qu'est-ce qu'on a à faire après, s'il y a quelque chose qu'on a à faire après. OK. Donc, est-ce que c'est... Cherche une phrase. OK. Est-ce que c'est cette phrase-là, celle-là, celle-là? OK. Donc, la phrase, sais-tu toute la phrase? Oui. Donc, on est dans le EFT, comme je te disais. Mm-hmm. Œuvrant au niveau vibratoire. Ces techniques sont en outre un outil d'accès au flot d'énergie qui circule à travers notre corps, nous permettant au besoin d'en rétablir l'harmonie. Mm. Moi, je dis souvent que c'est ça a toujours du sens. Ça te dit quoi? Ben là, ça me dit que oui, j'ai besoin de rétablir l'harmonie parce que dans mes points, là... Oui, OK. Il y avait équilibre, harmonie. Dans les points du début, là, tu sais que ça n'a pas sorti, mais c'était là, là. OK. Une gestion de mon énergie. Ouais. Ah, ben tiens donc, fait que ça regroupe quand même des éléments que tu avais mis sur ta liste. Exact. OK, donc ça, c'était vraiment, j'avais à te remettre cette information-là. OK. Et il y a autre chose. Est-ce que j'ai un... Attends un peu. Parce que des fois, ça part vite. Là, puis là, mm-hmm. je fais comme, wow, mm-hmm. une affaire à la fois. J'ai pas le temps. Tu sais, je suis déjà rendue plus loin, puis j'ai même pas posé la question encore. Là, fait que c'est comme, wow, on peut se calmer. et oui, voyez-vous, une séance de kiné, là, ça peut être léger et ça peut être. On peut rire. Là, c'est pas toujours qu'on est dans un effondrement d'émotions et qu'on pleure notre vie. Ça peut, oui, ça peut être léger. Donc, il y a un protocole que j'ai à te donner dans le cartable, dans le livre. OK. Est-ce que c'est dans le tap-tap, je commande? Non. Parfait. Bon, mais c'est où? Il y a combien de pages dans ce livre-là, donc? 60. OK. Donc, le protocole, il est première moitié, oui, 10, 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30, mais là, il y avait, attends un peu, moi, j'ai pas été précise dans ma question. OK, 31, c'est bon, oui, c'était précis, c'est correct. Des fois, l'ego vient douter. OK.
Est-ce que c'est ici, 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 là? Super. Et ici, c'est ça, ça, ça. Ça, c'est... Écoute, je vais te remettre ce qui teste parce que c'est intéressant et en même temps, ça dit instaurer... Non, c'est rien de... Instaurer la possibilité de se retrouver physiquement devant l'ascenseur sans ressentir la terreur habituelle. OK. Et là, ce qui me vient, c'est... Tu sais, tantôt, quand tu disais là, que tu t'imagines des symptômes puis que là, tu sais, physiquement, tu es en train de... Tu sais, de même penser que tu es malade. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que dans le fond, là, ce que ça dit, c'est de m'imaginer devant l'ascenseur sans imaginer la peur de l'ascenseur ou la sensation de l'ascenseur ou... Non, c'est, tu sais, dans le fond, c'est... Attends, je vais juste... OK. Mettons que... Tu me diras si ça te parle. Oui. Mettons que l'ascenseur représente ou contient les peurs, les blessures, les difficultés et tout ça. OK. Et que toi, tu es en avant de l'ascenseur, OK? Ouais. Mais que tu ne ressens pas, là, la terreur, c'est peut-être un mot un peu fort, là. Mm-hmm. Mais tu sais que tu ressens pas toute la lourdeur mm-hmm. que tout ça a quand tu le ressens ou quand c'est plus intrinsèque qu'extrinsèque, donc à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Tu sais, c'est comme une façon, on parlait tantôt de changer de regard, hein? Ouais. Donc c'est comme une façon de prendre la distance. Ouais, c'est ça. Mm. C'est comme une façon de prendre la distance entre ce qui est là, mais ce qui est pas toi. Tu sais, on sait, on n'est pas nos peurs, on n'est pas nos blessures, on n'est pas, on est pas nos croyances, on n'est pas nos pensées. Fait que, bon, on va-tu y arriver au protocole de EFT parce qu'il est encore pertinent, mais il y a des choses qui... D'après moi, il y a d'autres choses qui se passent pendant que nous deux, on travaille, puis ça nous amène à faire des trucs... Ben c'est sûr que quand tu as dit le mot blessure, il y a quelque chose qui a résonné, là. C'est vraiment comme, tu sais, l'ascenseur représente les peurs, les blessures, les difficultés, puis là, c'est comme si blessure, c'était vraiment ça, là. OK. Mais, ouais. De pas ressentir toute cette lourdeur-là. Puis en même temps, pour moi, l'ascenseur, je trippe pas nécessairement sur un ascenseur. Là. Ah! De me sentir comme prisonnière, souvent avec des gens que tu connais pas. Puis, j'ai pas peur que l'ascenseur brise, tu sais, comme je suis pas, j'ai pas une phobie des ascenseurs, mais tu sais, s'il y a un escalier. Je ne sais pas prendre l'ascenseur. Puis mes enfants, ils ont la chienne des ascenseurs. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, je devais avoir peur aussi quand j'étais petite, je ne sais pas. Là. Mm-hmm. Ouais. Okay. Donc, la terreur, oui, c'est ça. Fait que si tu as peur des ascenseurs, peut-être qu'à l'âge adulte, on vient qu'on est capable de rationaliser puis de tout ça. Ouais. Mais ouais, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant là. Ouais. Puis tu sais, je suis plus capable de faire des manèges. Tu sais, avant, j'en faisais, là, puis là, c'est comme impossible. Puis là, quand je pense à un ascenseur, je pense à un manège, là, puis j'ai le goût de vomir, là. Je suis même pas dedans. Est-ce,
Est-ce que ça se peut, et tu me diras ce que ça te dit, si ça résonne ou pas, est-ce que ça se peut que la situation présentement te donne l'impression d'être pris dans l'ascenseur et d'être dans un manège où tu dis « My God, ça va-tu arrêter? Je suis juste pas capable. » Oui. Ça se peut, ouais. C'est comme... Ben, en fait, je pense que c'est l'image parfaite de dire qu'on est comme dans une espèce de manège, qu'on sait pas quand est-ce que ça va comme lâcher, si ça va lâcher, ça va être quoi la vitesse, puis c'est comme t'entends le tac, 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 tu sais, quand tu montes, là, puis là, t'as la chienne que ça va partir, mais là, ça va, puis là, tu sais pas, ça va être drôle, ça va faire peur. Ouais, il y a comme vraiment, je pense que c'est l'analogie parfaite, là. OK. De comme dans un ascenseur, dans un manège, puis pas avoir le contrôle sur la vitesse, sur la sécurité, tu sais, si jamais là, un manège, mm-hmm. ça peut lâcher la sécurité, je sais pas. Absolument, oui, oui. Écoute, tout ça, c'est pertinent. OK. OK. Physiquement, comment tu te sens? Ben là, c'est comme si je me rends compte un peu de l'ampleur. Tu sais que là, tu sais, c'est comme, tu sais, je me dis, OK, je suis bien, je suis en sécurité, on fait tout ce qu'on peut, mais là, c'est comme si je me rends compte qu'il y avait quand même un grand mouvement, tu sais. C'était un mouvement, là, comme une vague, là. Tu sais, je chantais comme la vague, là, qui est autour de moi, puis je suis comme, oh my God, là, je comprends pourquoi je me sens comme ça, là. Mm-hmm. C'est comme okay. Si ça mettait vraiment une image concrète, là. Ben, en fait, c'est que tout est en train de changer, puis je te dis, là, c'est plate parce que les gens ne me voient pas, mais je t'écoutais parler et je suis au début, dans les premières pages du cahier. Le premier protocole, c'est accepter le changement. Ouais. Ça teste, mais c'est un protocole qui est très long. Okay. Donc, ce qu'on va faire, on va en faire un petit peu. On va en faire quelques minutes. Et est-ce qu'on a... Attends un peu. OK. On a-tu besoin... OK. Je te pose la question. Ça va... Est-ce que tu as peur du changement ou tu... Je reformule. Est-ce que tu as peur du changement ou à quelque part, il y a une partie de toi qui résiste au changement? Absolument. La réponse est oui. Les deux? Oui. OK. Fait qu'on va faire, dans le fond, on va faire le premier bout. OK? Le premier bout, puis j'ai changé les mots parce que c'était pertinent, parce qu'on l'adapte vraiment à la situation. Parce que l'exercice, c'est le refus de changer. Mais quand il y a de la résistance, il y a un refus à quelque part. Et c'est pas tant... Tu sais, des fois, nous, on va vouloir changer, mais c'est vraiment l'ego qui, lui... Tu sais, le cerveau, lui, est programmé pour nous défendre. Oui. Fait que lui, il tombe en mode survie, il tombe en mode « Oh my God, il y a un danger! » Tu sais, c'est ça. Fait qu'on va faire ça. Moi, je vais enlever mes lunettes. Je vais essayer de faire ça en lisant pas de lunettes. Eh mon Dieu, je serais pas capable. OK. Ça va être intéressant. OK. Fait qu'on commence avec le point karaté. OK. OK. Même si je refuse de changer. Même si je refuse de changer. Je m'accepte complètement. Je m'accepte complètement. Même si je refuse de changer. Même si je refuse de changer. Je m'accepte complètement. Je m'accepte complètement. Et me le pardonne entièrement. Et me le pardonne entièrement. Même si je n'aime pas le changement. Même si je n'aime pas le changement. Même si je veux laisser les choses telles qu'elles sont. Même si je veux laisser les choses telles qu'elles sont. C'est bon, laisse aller. C'est un cadre familier. C'est un cadre familier. Et même s'il m'emprisonne. Et même s'il m'emprisonne. Je sais au moins à quoi m'attendre. Je sais au moins à quoi m'attendre. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Je suis à l'aise.
Je suis à l'aise. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Mais c'est rassurant. Mais c'est rassurant. Parce que changer. Parce que changer. Comporte des risques. Comporte des risques. C'est hasardeux. C'est hasardeux. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Je n'ai pas envie d'essayer des nouvelles choses. Je n'ai pas envie d'essayer des nouvelles choses. Même pas ce tapping qui pourrait me pousser à changer. Même pas ce tapping qui pourrait m'aider à changer. Et je ne veux aucun changement. Et je ne veux aucun changement. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Et même si j'ai peur de changer. Et même si j'ai peur de changer. Je m'accepte complètement. Je m'accepte complètement. Ainsi que tous ceux qui m'ont appris à avoir peur du changement. Ainsi qu'à tous ceux qui m'ont appris à avoir peur. À avoir peur du changement. Du changement. Et à le refuser. Et à le refuser. Sourcils. Ce refus de changer. Ce refus de changer. Coin de l'œil. Ce refus de changer. Ce refus de changer. En dessous de l'œil. Ce refus de changer. Creux du menton. Sous le nez. Ce refus de changer. Ce refus de changer. Creux du menton. Ce refus de changer. Ce refus de changer. Sous le bras, excuse, j'ai sauté des points. Désolée. Ça aurait pu changer. Ça aurait pu changer. Sous le bras. Ça aurait pu changer. Dessus de la tête. Ça aurait pu changer. Comment tu te sens? Et je réalise à quel point le refus du changement, c'est tout ancré dans la peur de perdre le contrôle. Puis le risque de l'inconnu, le risque de se tromper, le risque de faire des erreurs. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Fait que ce que je vais faire, je vais te l'envoyer. OK. Parce qu'il y a une suite, mais c'est quand même... ben, c'est pas que c'est long, là, mais, ben oui, c'est quand même... ouais, il y a quelques pages. OK, OK. Intéressant. Fait que... mais c'est ça. Fait que, ben, comment tu te sens? Tu sais, physiquement, émotionnellement, c'est-tu... Ben, je pensais pas que ça allait nous amener là du tout. Pas du tout, là. Puis là, c'est comme si je réalisais aussi d'autres moments dans ma vie pourquoi c'était si difficile de changer. Mm-hmm. Comme il y a d'autres choses qui sont remontées, comme « Oh my God! » Ce besoin de garder tout intact, il est tellement comme grand. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, j'avais frères et sœurs qui venaient dans ma chambre. Puis quand je revenais, là, je regardais si tout était parfaitement. Puis tu sais, si tout était parfaitement placé, même si c'était parfaitement placé, c'est comme je voyais le petit détail. Là. Puis c'était tout le temps un prétexte justement pour comme péter les plombs. Qui est venu dans ma chambre? C'est ça. Je voulais pas que les choses bougent. Je voulais pas que les choses changent. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense que dès qu'il y a des changements, c'est tout le temps une période quand même d'adaptation longue. Puis là, présentement, ben, c'est un méga changement. On s'entend? Mm-hmm. Absolument. Oh, oui. OK, c'est...
Puis, tu sais, c'est ça, là, c'est comme... Moi, je vis ça, mais en même temps, mes enfants aussi le vivent. Fait qu'on est comme fois trois, là. Mm-hmm. Et probablement multiplié par beaucoup d'autres personnes qui le vivent peut-être pas exactement de la même façon, mais on est tous bousculés. T'sais, moi, je disais, ouais. Je vais juste fermer le soin pour qu'on puisse continuer après. Ouais. Donc, est-ce qu'on a autre chose à faire? Non. Est-ce que le soin a été toxique? Est-ce qu'il a été toléré? Oui. À 10 sur 10. Parfait. Mais c'est ça, moi je dis, on n'a pas été... et là, je vais juste peut-être remettre le chat parce que je l'avais fermé pour être sûre. Okay. Je vais retourner, prendre 2 secondes. Moi, ouais, c'est ça, ça lag, hein? Fait que je ne sais pas. Je vais prendre une chance de faire un refresh sur ma page Facebook pour voir s'il n'y a pas des commentaires là. Mais c'est ça, tu sais, moi, dans le fond, tu sais, cette situation-là, elle nous a pas poussé en dehors de notre zone de confort. Elle nous a littéralement éjecté de notre zone de confort. Oui. Oui. Et c'est ça. On n'est pas... Oui, éjecté, garroché, expulsé, tous les synonymes, je pense, sont bons. Absolument, c'est... absolument. Et ça fait remonter... Et ça fait remonter un paquet d'affaires, ça fait remonter de l'insécurité, ça fait remonter de l'incompréhension, de l'injustice, de l'instabilité, de l'inquiétude, de l'anxiété, du stress. Tu sais, c'est comme si tout remontait, c'est un tsunami. Puis c'est soit qu'on essaie de trouver une façon d'être sur le dessus du tsunami où on se fait brasser puis barouetter dans le tourbillon, tu sais, dans cette vague-là. Là, mais c'est ça. Oui, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, je pense, qui remontent. Puis c'est ça. Autant qu'il y a des belles choses qui peuvent se produire, autant qu'il y a des choses comme... c'est qui font remonter des vieilles colères, des vieilles peurs, des vieilles blessures, que là, c'est... ça peut nous submerger en plus de ça, tu sais. Mm-hmm. C'est comme tu dis, là, c'est exponentiel. Ah oui, 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 oui. Puis, tu sais, c'est... perte de contrôle total. Perte de contrôle, mais en fait, on n'a rien perdu parce que ce qu'on réalise, c'est que le contrôle, on ne l'a jamais eu. Exact. Exact. Dans notre belle illusion, là, de, tu sais, « Oh oui, j'ai le contrôle. Oh oui, oui, mais oui, oui, l'ego, t'as le contrôle. C'est fou comme t'as le contrôle, tu sais. » Puis c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, c'est là, on est comme... En fait, ce qu'on est obligé de faire, bien, on peut toujours essayer de trouver des portes de sortie, mais là, on n'a plus le travail... Nos portes de sortie là, sont très peu nombreuses. Parce que si on n'a pas de besoin de sortir, on nous conseille de rester chez nous. Oui. Moi, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu dis, les portes de sortie, donc nos fuites. Ben oui. Fait que là, on est confronté à aller dans ce qui est, dans ce sur quoi on a fermé les yeux. Tout simplement par un système, tu sais, on veut se protéger dans la vie. C'est comme ça qu'on, c'est ça qu'on a appris, c'est comme ça qu'on a été. Ma prof dans le cours de kiné, elle disait tout le temps, on est programmé à l'os, vous avez pas idée. Mais c'est ça, c'est que par système de protection, quand on était petit, on a eu mal, on a souffert, paf, on a mis quelque chose pour pas souffrir. Puis on a grandi avec ça, ça a amené des croyances, ça a renforcé des systèmes de croyances qui étaient déjà là. Puis en bout de ligne, on s'aperçoit que finalement, ben le cœur, il a été enchaîné avec un gros cadenas. On a jeté la clé au bout de nos bras. On a installé une forteresse autour pour être sûr que ça allait pas faire mal. Puis là, maintenant, le cœur, il dit « Non, non, mais moi, j'en peux plus, là. » Puis là, ça fait « Prou! » Puis là, bien, ça remonte. Ouais. C'est pas le fun, mais c'est temporaire. Moi, je vois ça comme c'est temporaire. Puis
Puis c'est peut-être ça aussi l'apprentissage dans tout ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on n'a pas voulu voir, tout ce qu'on n'a pas voulu adresser jusqu'à maintenant, c'est l'effet boomerang, là. Ouais. Fait que, tu sais, mais là, c'est je pense que c'est un bon moment pour aller doucement, tranquillement, pas vite. Ça veut pas dire qu'on descend, on fait un plongeon, puis qu'on baigne là-dedans, puis on fait comme, ah, oh, non! Mais on peut prendre une chose à la fois. Mm. Tu sais, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit l'année passée, puis j'ai trouvé, puis ça m'a tellement fait de bien, l'acceptation, on n'est pas obligé de la faire one shot. Ça, j'aime ça, oui. Hein? On n'est pas obligé de tout accepter en même temps, là, dire, ouais. OK, parfait, là, ça... Non, une chose à la fois. Ouais. Tu sais, c'est comme, OK, aujourd'hui, je vais essayer d'accepter que c'est comme ça. Mm. Juste ça. Mm. Ouais. Aujourd'hui, je vais accepter de regarder telle affaire qui est peut-être un peu douloureuse. On n'est pas obligé d'aller dans le... Tu sais, on n'est pas obligé d'aller dans le gros bobo, là. On peut mm-hmm. commencer par des petits bobos. Ouais. Puis tranquillement, pas vite, tu sais, c'est ça. Mais c'est un grand chambardement et humanitaire, ça, c'est sûr. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu dis, c'est d'accepter... Tu sais, c'est pas juste, comme on se dit souvent, tu sais, ah, faut accepter, c'est l'acceptation, la clé. OK, oui... Mais en même temps, on peut-tu juste accepter peut-être jour après jour et peut-être même heure après heure parce que c'est dur de tout accepter tout d'un coup, là. Ah, oui. J'accepte tout, mon passé, mon présent, mon futur, mes qualités, mes défauts. Non, ben oui, il y a trop de stock. Puis ça peut être aussi simple que j'accepte d'avoir de la difficulté à accepter. Oui, oui. J'accepte d'avoir peur. Oui, j'accepte d'avoir peur. Écoute, moi, là, j'avais, depuis hier, là, je me disais, oh my God, tu sais, mais j'avais peur. Pourquoi? Parce que c'est de l'inconnu, mais je voulais tellement faire découvrir ça que je me suis dit, OK, je le fais, même si j'ai peur. Puis, je pense pas que je vais mourir. Je vais me réveiller mardi matin en vie, même après, tu sais, je vais être encore en vie. C'est comme... C'est ça. Puis, tu sais, moi, c'était une façon pour moi d'aller encore, tu sais, de m'éloigner encore plus de ma zone de confort. Oui. Tellement. Fait que, tu sais, puis ça a pas... Puis je savais que du moment que j'allais être dans la bulle de la séance, c'était comme, j'avais même pas l'impression que... J'ai pas l'impression d'avoir fait ce live, là. Parce que tu étais justement dans ton moment présent et non dans... Dans l'anticipation de... Dans l'anticipation du futur, tu sais. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? On planifie, là. Tu sais, tout le monde parle déjà du monde du futur. Puis là, nanana, nanana, là, t'es comme... Moi, j'ai eu une journée sans technologie, là. Je l'ai promis à mes enfants, puis ça m'a tellement fait du bien parce que le lot d'informations, des choses contradictoires, des choses pour se préparer pour le futur, là, je suis overloadée, là. Ma tête, elle peut comme pu prendre tout ça, là. Elle sait plus quoi faire avec, là. C'est comme, c'est nécessaire. Puis, tu sais, moi, je reviens toujours, puis il y en a plein, là, tu sais, il y a plein d'outils, il y a plein de façons, il y a plein de gens qui sont incroyables pour, justement, aider dans cette période complètement... flabbergastante, on va te le dire, là, tu sais, wow, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu sais. Mais à quelque part, et si c'était aussi simple, et je dis pas simple dans le processus, mais dans le, et si c'était juste de se reconnecter à notre cœur. Puis, à partir de là, voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on a envie de créer, nous.
Tu sais, moi, je pense que c'est un retour à soi, pas dans l'individualisme de « je me fous de mon voisin puis j'en ai rien à cirer de la société ». C'est dans « ok, où est-ce que je me suis perdue en cours de route? » Oui. J'aimerais ça, me retrouver. Oui. Oui, j'aime beaucoup ça. Puis c'est drôle et c'est pas drôle parce qu'il n'y a jamais de coïncidence. Je suis en train de lire un livre sur le changement. Et entre autres, c'est ça, tu sais, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre ces changements-là. Ben, tu sais, il y a tout le temps un moment qu'on s'est perdu. Puis, tu sais, dans le fond, c'est tout le chemin. C'est tout le chemin qu'on prend à travers le changement. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, c'est comment est-ce qu'on le parcourt, tu sais, vraiment comme « it's the journey, it's not the destination ». Absolument. Puis c'est la rencontre avec soi. Mm-hmm. Et c'est comme tu as dit tantôt, là, je pense que tu as mis tellement le doigt sur quelque chose d'intéressant, là, c'est que dans notre vie quotidienne, on a tellement de portes de sortie et tellement de fuites pour vivre dans des illusions, pour fuir la réalité, fuir peut-être notre situation financière, notre vie de couple, notre vie de famille. Qu'on s'étourdit avec 10 millions d'affaires, mais là, il n'y a plus ces choses-là qui nous étourdissent. Fait que là, on se retrouve en face du miroir. Mm-hmm. C'est comme, oh my God, qu'est-ce que je me suis créé dans ma vie? Puis est-ce que c'est ça que je voulais? Puis est-ce que je suis où est-ce que je veux être? Puis, tu sais, est-ce que c'est vraiment pertinent tout ce que je m'efforce de faire? Tu sais, c'est comme une remise en question totale, là. C'est comme une retraite. Puis moi, tu sais, une retraite forcée pour les gens qui ont le fait de rituel. Ben oui, puis tu sais, on parle d'acceptation et tout ça, mais et si on était exactement là où on a à être? Ouais. Tu sais, déjà, c'est. Je dis pas que c'est plus facile, mais c'est comme on n'est pas en train de courir après quelque chose. Puis souvent, ben les indigos, les personnes qui ont un déficit d'attention, cette peur-là de passer à côté de quelque chose, de manquer quelque chose, de tu sais, c'est comme moi là, j'ai eu peur de manquer de temps pendant longtemps, puis ça fait pas très longtemps. Tu sais, des fois ça revient, mais c'est pas comme c'était avant. Mais tu sais, j'avais vraiment cette peur-là de dire, et mon, tu sais, la fameuse question. Si je meurs demain matin, je vais avoir fait mon bucket list, là, tu sais, là. Ben, si je meurs demain matin, là, je vais avoir fait le mieux que je pouvais avec ce que j'avais dans le temps que j'ai eu. Et, ouais. Et si c'était ça la réponse? Tu sais, ouais. C'est comme. Fait que ouais. C'est ça. Fait que. Ça, c'était mon point numéro 2, mon rapport avec le temps dans ma liste, là. Fait que tu vois-tu, c'est pour ça que c'est le numéro 8 qu'il a testé, parce qu'il regroupait tous les autres. Exact. Mais oui, tu sais, la notion de temps, là, elle nous rattrape, là, parce que là, tout le monde est comme, mais ça va durer combien de temps, puis qu'est-ce que ça va faire dans le, tu sais, dans la période scolaire, dans l'impact, dans l'économie, là, il y a comme l'économie, le temps, l'argent, les finances, c'est comme... On le sait pas! On le sait pas, puis comme tu dis, il faut avoir confiance qu'on est vraiment à la bonne place, au bon moment, puis que tout est parfait. Oui, puis que parfait. Ça arrive pas, ça, en fait, moi, j'ai reformulé le « il y a rien qui arrive pour rien », parce okay. que deux fois le mot « rien hein? ». Ouais, quand il arrive rien, il se passe rien. Ouais. Moi, je dis « tout arrive pour une raison ». Oui, oui. On le sait pas. Pourquoi là, maintenant? On le sait pas. Pas personne qui le sait parce que tout le monde est soudainement tombé en mode survie. Oui. Oui. Mais moi, je dis souvent que les expériences, c'est des apprentis sages. On apprend, on devient plus sage ou il y a des leçons qu'on va tirer de ça. Puis oui, tu sais, il y a des choses... le fun extraordinaire qui vont se produire. Il y en a que ça va être moins, mais on n'a pas le contrôle. Puis tous les scénarios qu'on peut envisager, hein, ça vous est déjà, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Ah oui. On s'imagine des scénarios,
Et celui qui se produit, c'est celui auquel on n'a pas pensé. Ouais. Et souvent, c'est celui qui est comme le « wow » parce que c'est « oh my God, c'est encore mieux que ce que je, tu sais, que ce que j'avais envisagé ou ce que j'avais prévu. » Exactement. On a le don de s'imaginer les pires scénarios qui, finalement, on a tellement perdu d'énergie à focusser sur quelque chose qui risque même pas d'arriver, là. Oui, effectivement. On ne sait pas. On est toutes dans l'inconnu. Ouais. On ne sait pas demain, on va être rendu où dans toute cette aventure-là. La seule chose qu'on sait, c'est ce qu'on est, tu sais, là où on est présentement, nous, par rapport à nous-mêmes, puis comment on la vit, cette expérience-là. Ouais. Ou comment on choisit de la vivre. Ouais. Tu sais, moi, dès le départ, ça a été très clair. Moi, je n'embarque pas dans le chaos. J'ai assez travaillé fort pour sortir du mien. Je ne m'a pas rembarqué dans un chaos collectif, là. Hey, ça, c'est un bon tagline. No way! I'm not going back. Non. C'est comme, non. Moi, je ne refais pas. En fait, je vais faire le chemin inverse pour aider les gens à faire le même chemin. Mais non, I'm not going back. Ça, c'est sûr. Back, moi, c'est pas back. C'est back, même pas back to the future. C'est comme ici, maintenant. Puis, tu sais, si j'avais pas vu un post aujourd'hui sur, je pense qu'on est au jour. Je sais même pas ça fait combien de jours. Je pense que c'est le 12e, là. Aujourd'hui, 30 mars. Je sais pas. C'est comme, ça me tente pas. Moi, pour préserver ma santé physique, mentale, émotionnelle, puis pas juste ma santé, mon équilibre. Oui. C'est ça. Fait que merci, belle Julie. Ben, merci à toi, Zarina. Ça fait plaisir. Mais t'as vraiment été, ça a vraiment été super parce que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Moi, je fais juste, tu sais, aider la personne à amener à la surface qu'est-ce qui est prêt à être vu, puis après ça, libéré. Fait que, écoute, merci beaucoup de cette belle expérience. Bien, merci. Vraiment. On a cueilli les fruits mûrs. Oui! Puis merci à ceux qui ont été là, qui vont être là après. Ben oui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et ben sur ce, je vous souhaite et je te souhaite une belle transformation et un changement tout en douceur. Merci pour ce beau soin de kiné. Une belle expérience, c'est mon deuxième avec toi. Donc, je suis contente. Choyée. Merci beaucoup, Zarina, de m'accompagner. Bisous. Plaisir. Bye. Bye. Bonne nuit. Bonne journée pour ceux qui écoutent le jour. Effectivement, absolument. On vous en souhaite une fabuleuse. Oui.